Shalom, shalom les enfants. Immense est ma joie de savoir que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a comblés par son infinie bonté, comme nous le dit Psaume 100, les versets 5. Alléluia. La Bible dit, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prier afin de soumettre l'intégralité de ce culte au Saint-Esprit. Alléluia. Là où tu es, tu peux fermer les yeux avec moi. Et tu vas juste répéter après moi, excellent Père, nous te disons merci pour cette faveur imméritée de nous agréer ce matin dans ta présence. Nous te recommandons ce culte, que le Saint-Esprit prenne la direction et qu'il nous conduise dans toute la vérité, afin que nous puissions te louer et t'adorer. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Nous allons louer notre Seigneur et nous allons entrer dans sa présence avec des cris de joie. Alléluia. Et on y va. Entrons dans sa présence avec joie. Célébrons ensemble le roi des rois. Il règne sur son trône, le grand vainqueur. Acclamons, exaltons notre Seigneur. Alléluia, Jésus est ici. Alléluia, dansons devant lui. Alléluia, poussons des cris de joie. Que l'ennemi tremble et s'enfuit. Entrons dans sa présence avec joie. Célébrons ensemble le roi des rois. Il règne sur son trône, le grand vainqueur. Acclamons et exaltons notre Seigneur. Il règne sur son trône, le grand vainqueur, acclamant, exaltant notre Seigneur. Alléluia, Jésus est ici. Alléluia, dansons devant lui. Alléluia, poussons des cris de joie. Que l'ennemi tremble et s'enfuit. Entrons dans sa présence avec joie. Célébrons ensemble le roi de rois. Il règne sur son trône, le grand vainqueur. Acclamons, exaltons notre Seigneur. Acclamons, exaltons notre Seigneur. Alléluia. Notre Seigneur. Acclamons, exaltons notre Seigneur. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur et nous continuons de le louer car notre Dieu est là. Alléluia. Tu peux danser comme Tata Christian. Et tu peux dire avec moi. Et on y va. Dieu est là. Dieu est là, où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là, où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Alléluia, Dieu est là, Dieu est là, où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Dans ta chambre, Dieu est là, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Hey, Dieu est là. À l'école,
Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Dans ta vie, Dieu est là. Ouh, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Tu peux dire, Dieu est là. Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Alléluia. Notre Dieu est là. Et nous continuons de le louer. Et nous allons dire ensemble. Il est là, 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 il est là. Les filles avec moi. Il est là, il est là, il est, il est, il est là, il est là. Oh, Jéhovah Shammah, il est là, il est là. Oh, il est, il est, il est là. Il est là, il est présent, il est là, il est là. Oh, il est, il est, il est là, il est là. Notre Dieu est là, il est là, il est là. Oh, il est, il est, il est là, il est là. Emmanuel, il est là, il est là. Oh, il est, il est, il est là. Il est là, oh Jésus-Christ, il est là, il est là, oh il est, il est, il est là, il est là, tu peux chanter, il est là, il est là, oh il est, il est, il est là, il est là, il est là, il est là, oh il est, il est, il est là. Il est là, oh, il est présent, il est là, il est là, oh, il est, il est, il est là, il est là. Notre Dieu est là, il est là avec nous, partout, Dieu est là. Il s'appelle Jéhovah Shammah, il est là, il est ici, il est présent. Là où tu es, le Seigneur est là, alléluia, le Seigneur est là. Nous allons l'adorer. Nous allons adorer celui qui est là. Nous allons adorer celui qui est présent. Nous allons adorer notre Dieu qui renouvelle ses bontés tous les jours dans nos vies. Alléluia. Il est bon et ses bontés durent à toujours, comme nous venons de les lire dans Psaume. Alléluia. Tes bontés durent toujours. Alléluia. Tu es bon. Oh oui, tes bontés durent toujours. Alléluia. Tu peux dire, tu es bon. Et tes bontés durent toujours. Alléluia. Tu es bon. Jésus, tes bontés durent toujours. Alléluia. Tu peux répéter. Tu es bon. Et tes bontés durent toujours. Alléluia. Tu es bon. Oh oui, tes bontés durent toujours. Alléluia. Tu es Père. Oh oui, ton amour durera toujours. Alléluia. Tu es Père. Oh oui, ton amour durera toujours. Alléluia. Tu es Père. Oh oui, ton amour.
dura toujours. Alléluia. Tu y es, Père. Oh oui, ton amour dura toujours. Alléluia. Tu peux adorer le Seigneur. Il est bon et ses bontés durent toujours. Oh Seigneur, nous t'adorons. Tu es bon et tes bontés durent toujours pour les enfants. Alléluia. Tu es notre Père. Seigneur, tu aimes même les enfants. Tu es le Père des enfants. Alléluia. Oh, ce matin, Seigneur, nous venons t'adorer. Ton amour durera toujours. Alléluia. Toi qui es pour nous un Père. Toi qui es pour nous Dieu. Toi qui es pour nous le Seigneur. Toi qui es pour nous le Roi. Alléluia, nous venons t'adorer, Seigneur. Oh, tes bontés durent toujours. Tu es bon, Seigneur, et tu ne changeras pas. Alléluia, tu es fidèle, et ta fidélité n'a point de limite. Alléluia, n'a point de fin. Alléluia, de génération en génération, tes bontés se renouvellent. Alléluia. Les bontés de notre Dieu durent toujours. Le bonté de notre Dieu durera toujours. Alléluia. Et chaque matin, ses bontés se renouvellent. Dieu est bon pour nous quand nous sommes à la maison. Dieu, tu es bon pour nous quand nous partons à l'école. Tu es bon pour nous, Seigneur, quand nous sommes avec nos amis. Tu es bon pour nous même à l'église. Tu es bon partout où nous serons. Tu seras bon, Seigneur. Tu étais bon avec Joseph dans la maison de son père. Et tu étais aussi bon pour lui en Égypte. Alléluia. Et tu es le même. Tu n'as pas changé, Seigneur. Et tu continues à être bon. Alléluia. Et fidèle. Oh, nous célébrons ta fidélité et ta bonté en ces jours. Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Les enfants peuvent acclamer le Seigneur. Alléluia. Les enfants peuvent acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer le Dieu bon. Alléluia, alléluia, que son nom soit élevé. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Yeah. Nous allons lire le Proverbe 3, verset 9. Et la Bible nous dit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémice de tout ton revenu. » Donner au Seigneur, c'est une manière de l'honorer. Alléluia. Nous allons donner avec joie et avec ces chants qui nous dit ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli, car nous faisons confiance en notre Dieu. Alléluia. Tu peux bouger là où tu es. Alléluia. On y va. Ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. Ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. Ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. Ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné, car il est fidèle. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné, car il est fidèle. Ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. Ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. Ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. Ce que ta bouche a dit,
ta main l'accomplit. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné, car il est fidèle. Oh, Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné, car il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Là, nous allons écouter la parole. Nous allons écouter ce que Jésus-Christ veut nous dire aujourd'hui. Vous allez vous asseoir sagement. Et moi, je vous dis shalom, shalom les enfants. Shalom, shalom, tata. Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui permet encore que nous puissions faire notre culte aujourd'hui. Alors les enfants, nous allons commencer notre leçon d'aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais vous poser quelques questions. Qui a déjà fait un rêve? Sais-tu que Dieu peut aussi te parler par un rêve? Est-ce que tu le sais? Alors aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu a parlé aux hommes à partir d'un rêve. Mais avant, nous allons prier, d'accord? On ferme les yeux pour ne pas être distrait, d'accord? Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux où tu nous donnes encore de pouvoir écouter ta parole. Merci de nous aider à comprendre ta parole, à la garder et à la mettre en pratique. Que nos cœurs soient disposés. Au nom de Jésus, amen. Amen. Alléluia. Alors, comme vous vous rappelez de ce que de notre leçon du dimanche passé, on a commencé à voir l'histoire de Joseph. Et je vous avais promis la suite de l'histoire de Joseph. On a vu qu'il a été vendu comme esclave par ses frères, d'accord, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Très bien. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire de Joseph. Et cette fois-ci, nous allons parler d'un autre aspect de sa vie, d'accord? Donc il s'agit du don d'interpréter les rêves que Dieu lui avait donné. D'accord? Et donc cela se trouve, notre histoire d'aujourd'hui se trouve dans la Bible. Eh oui, se trouve dans la Bible. C'est une histoire vraie. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Très bien, voilà. Donc vous vous rappelez que Joseph a été vendu comme esclave par ses frères aux marchands, les commerçants qu'on appelait les Madianites. Et on a vu que les Madianites ont quitté le lieu où habitait Joseph pour aller vers l'Égypte. Et ils sont des commerçants. Ils vendent tout. Et même des hommes. Et là, nous voyons dans l'image qu'ils sont en train de vendre qui? Joseph. À un chef, un officier égyptien. Voilà. Il donne l'argent au commerçant. Vous voyez? Joseph, il est derrière le commerçant attaché. Très bien. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Et donc, l'officier prend Joseph et le met dans sa maison comme son serviteur, comme son esclave. Donc, Joseph, vous voyez Joseph en train de servir son maître. Joseph en train de rendre des comptes à son maître. Et par la suite, vous voyez Joseph toujours en train de travailler. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un dise des mensonges sur lui. Vous voyez la femme qui est à côté de Joseph? Finalement, qu'est-ce qui se passe? Joseph est mis où? En prison. Vous voyez en haut, on l'a attrapé, on l'a arrêté, on l'a mis en prison parce que quelqu'un a dit des mensonges sur lui. Et finalement, une fois en prison, là-bas aussi, on lui a donné des responsabilités. Il était le responsable des prisonniers. Longtemps après, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, cet homme dans le lit, il vient de se réveiller. C'est qui? C'est Pharaon, le Pharaon. Le Pharaon, c'est comme le roi. Mais lui, de l'Égypte, on l'appelle Pharaon. Donc, il s'est réveillé
pourquoi il a fait un rêve et qui le met mal à l'aise. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il appelle ses magiciens et ses prophètes pour leur demander de l'explication du rêve qu'il a eu à faire pendant qu'il dormait. Vous avez vu, le rêve lui a tourmenté, lui a empêché de dormir. Et donc il veut savoir, comprendre la signification. Que veut dire ce rêve? Et donc il appelle les gens. Il les appelle, il appelle ses magiciens, il appelle ses prophètes pour demander l'explication. Mais vous savez quoi? Personne n'arrive à expliquer le rêve de Pharaon. Personne dans tout le pays d'Égypte. Et qu'est-ce qui se passe après? Or, pendant que Joseph était en prison, il avait interprété le rêve d'un autre serviteur du roi. Et finalement, le rêve était juste. C'est-à-dire, l'explication que Joseph avait donnée, finalement, ça s'est passé comme Joseph avait expliqué le rêve. Et donc, cette personne se rappelait de Joseph. Et donc, il a dit au roi, « Je connais une personne qui est en prison qui sait expliquer les rêves. » Donc, finalement, on est allé chercher Joseph. Parce que personne dans tout l'Égypte arrivait à expliquer. Et donc, vous voyez, là, Joseph, on l'a fait venir devant le roi pour qu'il puisse expliquer le rêve du roi. Et donc, vous voyez, c'est que le roi a fait deux rêves. Le premier rêve, vous voyez là-bas, il y avait des vaches, des grosses vaches. Peu de temps après, des vaches maigres sont sorties et ont commencé à avaler les grosses vaches. Vous voyez, dans l'image, à gauche. Et à côté, il a fait un autre rêve, vous voyez, des épis. Il y avait des épis qui étaient en bonne santé, en bon état. Et après, il y a eu d'autres épis qui sont sortis, finalement, qui ont étouffé les autres épis. Et donc ça a tourmenté. Et donc, Pharaon voulait, ça l'a tourmenté, et donc il voulait comprendre l'explication. Et donc, il dit à Joseph, on m'a dit que tu as la capacité d'interpréter les rêves. Et vous savez qu'est-ce que Joseph lui a dit? Joseph lui a dit, oh roi, moi, je ne sais pas l'expliquer. C'est Dieu qui sait expliquer. C'est Dieu qui donnera l'explication à ce que tu as rêvé. Parce qu'il a reconnu que le don qu'il avait, c'est Dieu qui le lui avait donné. Parce que lui seul, il ne pouvait pas le faire. Parce que la preuve, tous les magiciens de Pharaon n'ont pas pu expliquer le rêve. Alors Joseph s'est mis à expliquer le rêve de Pharaon. Les deux rêves, ça voulait dire la même chose. Et donc c'est ce que Joseph explique au Pharaon. Et il lui donne l'explication et lui dit par la suite ce qu'il faut faire pour qu'il soit préservé du mal. Vous voyez? Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, vous voyez? Donc, Pharaon a dit que comme tu as su expliquer le rêve et tu as donné également la solution pour comment est-ce qu'on peut faire par rapport au rêve, et donc je te nomme, ici on peut dire vice-président ou ministre, donc pour pouvoir gérer toutes ces choses-là. Le plan que tu as mis que tu nous as proposé, c'est toi qui vas le gérer. Donc Pharaon lui donne le pouvoir de faire toutes ces choses en son nom. Vous voyez? Et tout cela parce que Joseph avait reçu de Dieu un don, une capacité à pouvoir expliquer les rêves que personne d'autre en Égypte pouvait le faire. Alléluia! N'est-ce pas que Dieu est bon? N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Il donne aux hommes des dons, des capacités à pouvoir faire les choses, à pouvoir expliquer les choses que personne d'autre ne peut le faire. Alléluia! Alors, nous allons prier, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu, merci d'être, qu'il soit notre aide spéciale. Voilà, parce qu'on voit que Dieu a aidé Joseph, celui qui l'a gardé depuis qu'il est parti, depuis qu'il est sorti du trou, jusqu'à, durant tout le voyage, jusqu'à ce qu'il arrive en Égypte, il est allé jusqu'en prison. Dieu était toujours avec lui.
Et Dieu lui avait donné cette capacité à interpréter les rêves, finalement, qui a fait qu'il est sorti du prison, qu'il est sorti de la prison. Vous voyez? Très bien. Donc, nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur d'être pour nous cette aide spéciale dont nous avons besoin ou que nous aurons besoin à tout moment. Élevons la voix et prions. On ferme les yeux et on prie. Père, nous te disons merci d'être pour nous une aide spéciale dont nous avons besoin, comme tu l'as été pour Joseph. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons aussi prier. Nous allons demander au Père qu'il nous aide à chasser toute peur, parce qu'il est notre aide. C'est lui notre aide. Donc nous allons prier aussi pour cela. On ferme les yeux, toujours les yeux fermés. Père, merci de nous aider à chasser toute peur, toute forme de peur, parce que tu es notre aide spéciale, parce que tu es toujours là avec nous. Et voilà pourquoi, au nom de Jésus, aide-nous à chasser toute forme de peur, quelle qu'elle soit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, très bien. Et donc, nous allons passer à notre verset à mémoriser. C'est le même verset que nous avons fait le dimanche passé et qu'on a commencé à faire depuis. Il se trouve dans 2 Timothée 3, le verset 16. Il dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Ne l'oubliez jamais. Gardez ce verset que nous apprenons chaque dimanche. Gardez-les dans votre cœur, parce que cela va vous aider tous les jours. D'accord? Très bien. J'espère que vous l'avez gardé et que vous allez continuer à les répéter à chaque fois. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la parole de Dieu. Et donc, nous sommes presque à la fin de notre culte, mais avant, je vais vous montrer l'activité d'aujourd'hui. Donc, il s'agit de représenter le roi d'Égypte dans son lit en train de rêver. Donc, soit vous allez dessiner, ou soit vous allez fabriquer un lit, vous allez fabriquer un homme que vous allez colorier, qui sera comme le roi d'Égypte. Et vous voyez tout en haut, au-dessus de son lit, vous voyez comme des bulles. On a fait les rêves, on a dessiné les rêves que le roi a fait. Le premier rêve, c'était des vaches grasses et des vaches maigres. Et de l'autre côté, il y a les épis. Vous voyez? Donc, vous dessinez ça. Soit vous dessinez, soit vous fabriquez avec du papier. D'accord? Très bien. Donc, je pense que ça serait mieux de fabriquer. Vous pouvez fabriquer. Vous fabriquez et vous coloriez. D'accord? Très bien. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Et donc, nous allons prier. Voilà. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le culte d'aujourd'hui. C'est Dieu qui a permis que nous puissions voir notre culte. Et nous allons lui dire merci. Et nous allons lui dire merci pour cela. Fermons les yeux et on va s'agenouiller. Très bien. On s'agenouille, on dit merci à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce culte. Merci d'avoir permis à ce que nous puissions avoir ce culte. Nous te remercions pour tout. Nous te bénissons également de ce que tu continues de nous garder. Que ce que nous avons appris, que nous puissions la garder dans notre cœur. Nous avons vu que comment tu es celui qui est capable de donner des dons aux hommes, et tu es celui qui est capable de nous préserver du mal, d'être notre aide spéciale. Merci d'être pour nous au cours de cette semaine et même par la suite une aide spéciale. Que ce soit pour nous, que ce soit pour nos familles, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Très bien. Et donc, on se lève. On se lève. Et voilà. Donc, je vais prier pour vous. Et à chaque fois, quand je vais dire au nom de Jésus, vous dites Amen. Et donc, vous levez vos mains. Voilà. Levez vos mains. Très bien. Les deux mains. Très bien. Voilà. Donc, je vais prier pour vous. Vous fermez les yeux. Que le Seigneur soit ton aide spéciale en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. Au nom de Jésus, tu dis Amen. Que le Seigneur manifeste en toi une intelligence spéciale comme il a fait avec Joseph. Au nom de Jésus, tu dis Amen. Que tu sois couvert par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, tu dis Amen. Amen, amen, amen. Très bien. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Et donc, nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu le dimanche prochain. Et donc, je vous souhaite un excellent dimanche et une excellente semaine. Que la grâce de Dieu vous accompagne partout, et même à l'école. Et que le sang de Jésus continue de vous couvrir. Je vous souhaite un excellent dimanche et à très bientôt. Je vous dis shalom.